Salut à tous. Alors, il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo sur le Bitcoin, mais qui s'est à planter. Donc, je vous ai juste mis un résumé sur le Discord au sujet de ce rebond ici. Qu'est-ce que ça peut être ce rebond ici? Bon, on va retracer ensemble les niveaux importants à surveiller. On voit que on va faire ça propre. On va attaquer le weekly. On va faire ça propre et sans indicateur, parce que c'est la première phase à faire. La première chose à faire, on regarde si on a éventuellement des droites de tendance. On voit que je pourrais éventuellement tracer ça. Ok. Et je pourrais tracer sur les clôtures. Même si celle-là, j'aime pas trop. Mais bon, parce que c'est un excès, clairement, hein, ça se voit. En tout cas, celle qui passe par là me plaît un poil plus à surveiller. Cette zone ici sera à surveiller. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est toujours tracer ces fibos. Fibos en partant du haut ici. Alors ça, c'était à faire il y a un petit moment. Hein. Vous voyez, on est allé chercher 61. Et on voit que 78,6 est à 16 000. Okay. Maintenant, on fait l'inverse. On trace les fibos en partant dans ce sens-là. Oui, alors attendez. Si je les traçais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, hop. Et on voit qu'on a cassé 61%. On l'a cassé nettement et on est en train d'essayer de le sauver. Sauf que si on regarde un peu plus loin, ça peut ressembler à une cassure, pullback et redescendre. Okay. Ensuite, si j'essaie de tracer mes niveaux de manière assez standard, on voit que j'ai, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais il y a une grosse zone ici qui a été une zone de volume traité. On a méché dedans régulièrement, là, dans cette zone ici. Okay. Qui correspond un peu au-dessus de 78% Fibo, et on voit que 78% Fibo tombe pile sur cette zone-là. D'accord, donc ce qui donne quand même deux zones de volume assez proches, donc on pourrait très bien venir tenir en clôture celle-là, mais mécher sur celle de dessous. Donc la zone des 5000 est quand même intéressante. Si je mets la MA et la et l'EMA, donc la moyenne mobile normale et exponentielle 200, on voit qu'à l'heure actuelle, je suis dans cette zone-là. On peut se dire que bon, on va tout droit chercher cette zone-là. Moi, je vous dis que la bleue, je le vois venir gros comme une maison. Il finit dans un mois, le contrat futur du CME. Hop, donc il finit ici. Okay. Ce qui nous laisse largement le temps, en 4 semaines, de venir chercher cette zone ici des 5000 avec la MA 200 weekly qui ferait support. En tout cas, ça, c'est vraiment une grosse zone très intéressante pour des achats. Okay. Donc cette zone-là, moi, je vais la mettre en verte. Ça, c'est une zone très intéressante. Ici, c'est bien sûr une zone très intéressante à regarder. Voilà. Après, j'ai un autre niveau résistant qui apparaît évident, un espèce de niveau polarisant ici, c'est-à-dire qui a fait support puis résistance. C'est un peu exactement la même chose qu'on peut attendre de ce niveau ici. D'accord? Il a fait support, il n'a pas fait résistance, donc on s'attend à ce qu'il refasse support. D'accord? Donc c'est ici, c'était un peu la même chose, on l'a cassé, et hop, on est revenu le tester et on repart. Donc ça, en weekly, on a fait. Okay. Mais ça va être un niveau du coup assez important dans le futur, à mon avis, on va voir. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà échoué une fois pour y aller. Alors, si on y va et qu'on le casse directement, on pourrait faire un pullback dessus. Et on voit que si on run à partir d'ici, on a moyen en 4 semaines de venir chercher ça, le casser, pullback sur la trendline et partir. Ça reste des scénarios possibles. Hein. Maintenant, je vais mettre Ishimoku pour affiner un petit peu le truc. On voit que sur 50% Fibo, j'ai la SSB. Bon, bah ça c'est normal. Si vous avez compris comment c'était calculé. Donc je mets mon niveau résistant ici. D'accord? Donc ça c'est un trait, du coup, c'est un niveau résistant. On voit que ma chikung span ici, elle va buter sur le prix assez rapidement ici. Okay? Et on voit que pour la chikung, ce niveau ici sera aussi une résistance. C'est-à-dire que j'aurai une résistance du prix par rapport au nuage. Alors, moi je suis pas du tout dans l'ésotérisme Ishimoku ou. Comment dire, les droites se verraient entre elles, blabla. Moi, je raisonne assez basique, c'est-à-dire que ça va être une résistance du prix. Pourquoi? Mais parce que c'est la médiane de cette descente ici, donc c'est 50% Fibo, tout simplement. Et ça va être aussi une résistance du prix dans le passé. D'accord? Donc ça, c'est tout l'intéressant. Donc cette place, ça va être une grosse zone résistante, éventuellement 8500. On la note. Ok? Ensuite, est-ce que j'ai d'autres niveaux frappants qui arrivent, marquants qui arrivent? Pas vraiment, il y a ce niveau ici qui pourrait faire support, d'accord, c'est un gros plat SSB. Ok, et il n'y a pas grand-chose d'autre, c'est-à-dire que dans cette zone ici, en weekly, il n'y a pas grand-chose. Ok, on voit qu'on a
pile réagi sur ce niveau des 6500. Hein. Donc à suivre. Maintenant, je passe sur le daily. Le daily, qu'est-ce qu'il me dit? Le daily, il me dit que Shiku, il a la place pour bouger jusqu'ici à peu près. Okay, ici, il va rencontrer une résistance qui existe aussi sur le daily là. D'accord? Donc, ce qui me fait, j'ai une résistance weekly ici, daily ici. Donc, ça me fait une zone où je pourrais clôturer weekly ici, mais mécher au-dessus. D'accord? Ça sera une double résistance pour pareil la Shiku et le prix. Donc, les 8500, 8800. Une zone de prix très intéressante à regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va se retourner dessus. Ça veut dire que si on la traverse, il y a des chances qu'on la reteste. Okay, et que bien sûr, si on a des signaux vendeurs sur cette zone-là, bah, ça sera très intéressant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On voit que en weekly, en daily, on a une Kijun qui se met à plat vers ce niveau ici. Hop, moi je la mets en magenta, d'accord, vers ce niveau ici. Donc vous savez qu'une Kijun plate est un niveau potentiellement résistant. Ensuite, on va bien sûr chercher une correspondance avec nos niveaux Fibo depuis le haut. Et on voit qu'on a 50% Fibo ici et 61% Fibo ici. Comme par hasard, ça marche très bien ensemble. Donc cette zone-là, gros cluster résistant, dans le sens où si on trouve des signaux vendeurs dans cette zone-là, ben, ça paraît pas irraisonnable de les prendre. D'accord? On verra ce que ça donne. Je vous rappelle que nul ne sait en trading comment va évoluer le cours. Et le but du trading, ce n'est pas de savoir si on va monter ou si ça va descendre. Le but étant d'établir des niveaux où vous voulez intervenir, d'avoir des signaux d'intervention qui peuvent être ceux que vous voulez, et de suivre ce plan après. Ok? Et on a au passage cette trendline ici sur les clôtures que l'on tient. Donc on pourrait très bien avoir un rebond Bitcoin de ici ou ici. D'accord? Ça va avec ce que nous dit le momentum. Il nous dit qu'on est survendu, il est venu très bas, hein, le momentum. D'accord? Avec un petit pattern de survente ici. Ici, on avait eu le même, on l'avait latéralisé, on avait poussé à la divergence le momentum, et boum, fait cette explosion derrière. Là, pour l'instant, on en est à la phase où on est très bas, donc on pourrait faire pareil, latéraliser un peu, aller diverger plus bas, d'accord? Donc venir chercher la zone bleue, pourquoi pas, des 6000, et partir, d'accord? En tout cas, en daily et en weekly, il n'y a pas grand-chose à faire sur ces niveaux-là. Hop, alors je vais enlever la lagging span parce que ça fait un peu de bazar. Hop, voilà. Très bien, je vais enlever les moyennes mobiles aussi. Ce qui était intéressant pour moi, c'était le weekly. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit qu'on est en excès sur les Bollinger. C'est-à-dire que j'ai une Bollinger qui va chercher très bas. Un prix qui va chercher très bas. Le V-bottom, ça existe. C'est pas le plus fréquent. Moi, je m'attends plutôt à éventuellement revenir chercher ça. Et faire ou une convergence ou un plus bas avec divergence. C'est vraiment les deux patterns que j'attends. Et c'est vraiment ça que je vais vouloir jouer. En tout cas, avec un momentum aussi bas, avec ce pattern de survente ici, il est hors de question de vendre sur ces UT-là. Si on regardait en H4, en H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une séquence haussière qui semble vouloir se déclarer. D'accord? Donc pour au moins un mouvement en 3. On voit que j'avais une trendline qui était rouge ici. Vous voyez, complètement rouge. Et que j'ai eu un pattern de divergence ici qui s'est mis en place avec un signal d'achat qui a donc sur cette clôture de bougie avec une étoile de matin sur support, donc avec un joli pump derrière. Okay. Je rappelle que le but, ma vision hein, de l'indicateur, ce n'est jamais de vous dire le sens du marché, c'est de vous dire qu'est-ce que le marché est en train de faire. Là, il me dit le marché, il peut être en train d'essayer de rebondir. Vous voyez, il me donne deux patterns. Vous aurez le manuel là-dessus. Il me donne deux patterns ici. Et le marché, effectivement, il rebondit. Mais il a surtout latéralisé. La même chose ici. Tac, on latéralise. La même chose ici. On rebondit quand même un peu. Donc en fait, son but, c'est d'identifier les zones où potentiellement on pourrait se retourner. Vous voyez, sauf que là, on le latéralise à chaque fois. Okay. Chaque fois qu'on fait ça, on a latéralisé. Et si vous voulez être acheteur, c'est des zones où il faut acheter et sortir à chaque fois. Bien sûr. C'est pour ça qu'on ne traite pas un indicateur brut, on traite un indicateur après avoir analysé le prix comme on l'a fait. On voit que ce signal ici, il était sur cette trendline descendante, sur ce support horizontal. C'était un achat potentiel tout à fait justifié. Ensuite, il vous donne le momentum, les ronds rouges ici, qui sont les probables continuations de mouvement. Là, vous voyez, là, il me disait, on est survendu et on diverge, ça pump, ok. Trois bougies après, il me dit, wop, attention, là, le prix, il me dit, on a réactivé la baisse avec le X. Et le momentum, il dit, on a réactivé la baisse avec le rond. Donc on a double signal baissier. Voilà, boum, sur un contexte qui est baissier. D'accord, donc on baisse bien comme il faut.
Là, c'est la même chose. J'ai le petit rond. Tout est rouge ici. Donc, il me dit que tout est d'accord pour passer vendeur. Mon analyse me dit que ben, j'ai latéralisé ce signal ici. J'échoue sous la quille jaune. Ça repart à la baisse. Okay. La même chose ici. On a le signal. On cave derrière. La même chose ici. On a fait cette mèche-là. Donc, ça, c'est le trade hein, que je vous ai partagé il y a pas longtemps pour essayer de jouer la baisse. Mais ça n'a pas. Moi, je voulais jouer plus bas, hein, donc c'est sorti break-even, c'est-à-dire ça a touché la sécurisation, puis revenu chercher l'entrée, enfin le stop-loss, donc trade break-even, mais c'était un truc qui se tentait pour la continuation baissière. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on tente quand même de dessiner une épaule tête-épaule, hein, pour les chartistes. Alors, c'est pas ma spécialité du tout, je sais qu'on peut les dessiner, ouais. Bon, c'est pas la plus belle, hein, probablement, mais quelque chose de ce style-là. Ok, donc on prend la hauteur, il me semble, de la figure, qu'on reporte à la cassure de la ligne de cou, qui se ferait un truc comme ça. Et vous voyez que ça nous amène, grosso merdo, entre ça et ça. Donc ce qui correspond à peu près à notre autre type d'analyse. Ensuite, on voit qu'il y a potentiellement une séquence qui se déclare, donc une séquence haussière possible, que j'anticipe un peu, j'avoue. Hop. Qui nous fait un 100% d'extension ici, un 127 ici, donc il correspond à peu près avec cette zone-là. Et donc il serait parfait, donc cette zone-là va être une zone intéressante pour tenter de vendre, celle-là étant mieux, ok. Ça dépend comment on y va ici, si on fait 1, 2, 3, on se replie 1, 2, 3, d'accord. Si on y fait 1, 2, 3, 4, 5, oui, on peut vendre ici, mais pas du coup avec les mêmes objectifs, ce sera plutôt contre-tendance. Bon, voilà, on sait, on a identifié les niveaux où on veut intervenir à la vente éventuellement. Si on identifie des niveaux acheteurs, on sait que c'est sur ces zones-là qu'il faudra essayer de sortir. Là, à l'heure actuelle, on a une convergence haussière, d'accord, qui s'est faite après un épuisement de la tendance, c'est-à-dire elle est devenue rouge, beaucoup trop poussée, en excès, d'accord. Mais, vous voyez, typiquement ce que je vous disais, on tirait sur les Bollinger, on a rebondi, on revient les chercher. Là, on bute dessous, mais potentiellement, on pourrait chercher maintenant. Alors, il faudrait attendre de casser ces plus hauts, hein, de casser 7373. De le casser pour chercher des achats pour aller viser cette zone ici. Donc c'est ce qu'on pourra faire éventuellement sur le 15 minutes. Okay. On voit que sur le 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça c'est une impulsion des plus jolies. Okay. On a les divergences RSI, ces petits triangles ici, qui apparaissent sur le haut de l'impulsion. Okay. On avait bien les signaux qui apparaissaient sur les sommets. On a fait quelque chose qui est extrêmement retraçant, c'est-à-dire, enfin, pas retraçant, de consolidation avec beaucoup d'overlap. Et là, on repart sur quelque chose de très impulsif. Vous voyez, on a eu les deux signaux vendeurs. La survente au niveau du pattern et au niveau également du momentum, c'est-à-dire elle est venue extrêmement bas. On a un momentum de l'UT supérieur qui a croisé à la hausse. Okay. Donc, on peut légitimement se dire que on peut éventuellement chercher des achats sur repli. D'accord? Donc là, on voit qu'on a un surachat qui est manifeste. On voit qu'on est dans un range 15 minutes selon Ichimoku qui fait comme ça. Hop, d'accord, donné par le nuage qui est plat et qui twist, d'accord, ces sommets ici. Donc ce qu'on peut chercher éventuellement sur le Bitcoin, c'est tout ça, je vous présente des plans de trading. Je vous dis absolument pas que c'est ce qui va se passer, personne ne sait ce qui va se passer. Hein. Ceux qui vous disent qu'ils savent, bon bah vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, mais on peut très largement se dire que si on a un repli sur les 50% Fibo, qui en plus est un joli niveau ici, on pourra essayer d'acheter sur un signal ici, 15 minutes, pour essayer, ou une convergence, pour essayer d'aller viser les 80 000, les 8 055, les 80 000. 80 000, c'est pour Noël, quoi. Voilà, ça c'est un plan de trading. Et on sait qu'à partir du moment où on va arriver dans surtout cette zone-là, on va plutôt voir si on trouve des plans vendeurs, et si on était acheteur, on va plutôt chercher à sortir des achats. Par contre, on pourra toujours, sur repli, tenter de se replacer à l'achat pour essayer de remonter. Donc ça, c'est un plan. Est-ce que je vais vendre maintenant? Non. D'accord. Bah, il fallait vendre plus haut, hein, c'est facile après, mais là, maintenant, j'ai aucune indication de vente. Regardez. En weekly, je suis baissier, je suis d'accord. En daily, j'ai retourné mon momentum et j'ai une pattern de survente. Donc, je n'ai pas envie de vendre, surtout un momentum aussi bas. En 4 heures, j'ai une convergence haussière. Donc, je n'ai pas envie de vendre. En 1 heure, j'ai un momentum qui est à peine à 11. D'accord? Donc, j'ai absolument pas envie de vendre. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai plutôt cherché des achats jusqu'à qu'au moins le momentum 1 heure me montre un début de signe de faiblesse, comme il a pu montrer ici avec le croisement du momentum, plus les deux signaux vendeurs, voilà, qui ont abouti
à ça derrière, d'accord? Mais au moins, il y avait des signes de faiblesse. Là, il n'y a aucun signe de faiblesse. Je ne veux pas vendre ça. Ok, certainement pas. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Ça fait un plan sur le Bitcoin. Vous avez vu comment on analyse, enfin, comment moi, hein, j'analyse, il y a plein d'autres méthodes possibles. Un actif, c'est pas très difficile, il faut juste faire toujours la même chose. Ok, ça, je l'ai analysé en partant du weekly. Si vous tradez des unités plus longues, il faut faire du mensuel. Hein. Bon, sur le Bitcoin, le mensuel, c'est assez difficile. Il n'y a pas énorme d'historique, mais on voit qu'on a un énorme niveau pour BTC qui attend ici. Un énorme niveau mensuel à 9 900, hein. D'accord? Qui attend. Alors, on n'y est pas encore. On fait à l'heure actuelle une bougie mensuelle extrêmement moche, mais bon, vous savez, Bitcoin, il peut l'effacer le mois d'après, hein. Il s'en fout un peu. Mais on sait que dans le futur, ce niveau ici sera très intéressant à regarder. On a des bandes de Bollinger daily qui se contractent, mensuelles qui se contractent, signe ben, que après la phase d'expansion ici qu'on a eue, on a une phase de consolidation. On pourrait aller chercher les bandes de mensuelles, donc ça ferait un nouveau plus bas, hein, mais on voit que elles ont tendance à se contracter, donc elles vont probablement remonter. Mais à l'heure actuelle, est-ce que je vends? Non. Parce que ben, le momentum n'est pas du tout dans ce sens vendeur. C'est-à-dire, en fait, il a un peu trop tiré à la vente pour essayer de continuer à vendre sereinement. Ici, d'ailleurs, vous voyez la bougie qu'on est en train de faire en H1. D'accord? Alors, l'autre chose qui pourra être fait, hein, c'est on casse par le haut ce range ici. Et on va se replier sur la Kijun qui va monter. Et ça nous fera un achat. Hein. Ça nous fera un spot d'achat avec le même objectif. Hein, pour jouer quelque chose comme ça, si vous voulez. On casse. On se replie un peu. Et on y va. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Globalement, ce que je surveille, c'est ça. Vous voyez l'état du momentum qui est plutôt à l'heure actuelle aussi. Si le momentum 1 heure commence à recroiser vers le bas, alors je re-réfléchirai. En attendant, toutes les UT sont vers le haut, du daily au 1 heure. Donc il n'y a aucune raison de vendre sur le 15 minutes. D'accord? Je vais plutôt chercher des patterns d'achat sur le 15 minutes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.